Sébastien Garteau, vous êtes l'entraîneur d'un 5 ans au départ du Quintet de samedi. Le cheval a fait sa course de rentrée dans le prix Marcel Laurent. Il n'a pas eu un bon déroulement de course. Est-ce que vous étiez tout de même un peu déçu? C'est-à-dire qu'on n'a pas la course, il n'avait pas roulé en fait. Il était de novembre. Après, ils n'ont pas monté vite alors qu'ils auraient un cœur. C'est un cheval, il faut qu'il y ait du rythme à mort. Et après, c'est là qu'il est le mieux. Après, ils ont fait 500 mètres très très vite et Eric n'a même pas débouché. Il a même pas couru en fait le cheval. Donc là, samedi, ça va être une autre course où on va être un peu plus offensif. Bon, il faut affronter les 4 ans, mais est-ce que les 5 ans sont pas supérieurs à cet âge-là? Bon, le cheval Jean-Michel Bazir est peut-être au-dessus de la mêlée. Après les autres 4 ans, je pense que Isolarmaker, de ce qu'il a fait sur la grande distance, il a déjà marché 11-8, je crois. Donc c'est le vrai Isolarmaker. Et même le cheval à, comment il s'appelle, à Franck Leblanc, c'est un bon cheval aussi, cheval de train. Du Je Kilowell. pense qu'on est, voilà, c'est des chevaux qui peuvent être sûrs dans les 5 premiers samedi. En tout cas, il devrait montrer un autre visage, en tout cas dans le Ouais. classement et puis dans la configuration de Voilà. course. Voilà, c'est un cheval qui aime bien rouler. C'est un cheval qui est capable de se mettre sur le pied de, dire 11, 12 toute la route, mais il aime pas trop faire des changements de vitesse comme a fait hier, il sait pas faire. Et voilà, on aurait une chance peut-être de durcir l'autre jour en montant en 10, mais ils étaient en 15. Alors pour finir, forcément, quand ils se mettent sur le pied de 5 ou 4, ça, il sait pas faire.